Salut tout le monde, c'est Joe Fishman, on est avec Matt. Salut. Donc là, je viens de décrocher un mini pike au Fortplate Savage Gear. Il faisait la moitié de sa taille, le truc. Donc c'est un truc de fou. Là, juste dans le petit remous, et après, il y a un petit courant, je pense, on va faire du fish. Donc il faisait 40, on n'a pas eu le temps de sortir l'appareil photo. C'est pas très grave, c'est un petit pike. Donc je pense qu'on va faire du fish aujourd'hui parce que il fait beau et on a choisi un bon coin de pêche. Donc je pense que ça va le faire. Donc et je pêche Mathieu au Rock Vive de 3,5 pouces, donc c'est pas un fat. Ouais. Et donc en bubblegum. Ouais, et puis j'ai pris une tête paumée de 9 grammes parce que je pense qu'il va y avoir des trous par là-haut. Ouais, il y a de l'eau, donc je pense que ça va bien le faire. Bon, on vous redit quand il y a du fish. Signe. Donc oh les gars, donc voilà, tout petit brochet. On va le remettre à l'eau parce qu'il saigne. Donc vite. Il était très mal, enfin il était pas très bien accroché. Hop, vas-y, on le remet à l'eau direct. Pareil, les gars. De mat. Ça va repartir. Hop là. Allez hop, c'est reparti. Bon bah sur ce spot, en fait Mathieu, on est en train de parler, puis il a vu le brochet le suivre et il l'a pris. Ouais. En plus je venais juste de dire, bon bah je pense qu'on va aller ailleurs. Ouais, bah je pense, il a dû voir mon leurre, mais il était trop gros pour sa taille. Ouais. Bah taille de 25. Ouais, 25. Bon allez, on se retrouve s'il y a du fish. Salut les gars, brochet de Nathan. Petit pike. Petit pike, ouais. Il est un peu plus gros que celui que j'ai pris tout à l'heure, je pense. Ouais, j'espère que je vais pas le décrocher. Il doit faire 35 lui. Oh non, il s'est mis dans les branches. Attends, ouais, il est bien piqué les gars. Je vais aller poser. Bon, désolé pour le soleil. Je vais me tourner. Voilà. Faut que je me mette devant toi sinon je vais voir le soleil. C'est lui qui m'a attaqué, je pense. Ça va. Je pose ma canne. Voilà, nickel. Oh, il fait la même taille. Hein. Un poil plus gros. Voilà les gars. Tu feras une photo? Bon, non, je prends un screen avec le. Ouais, parce que là j'étais bien. Hop. Nickel. On va le décrocher, attendez. Nickel, hein, comme d'hab. Oui, il est bien projeté. Au spinner de HL Express. Donc, le même que avec celui que j'ai pris les brocs l'autre fois. Mais en blanc. Donc voilà, sur ce spot. Voilà, bon brancher. Attends, je vais faire un petit. Voilà. Hop là, ça part tout seul. Bon allez, on se trouve côté du fish. Il ressemble à celui que j'ai décroché l'autre fois, au Reins. Donc juste avant il avait pris une tape et il a plus de leurre, il l'a pris. Voilà, le fish. Attends, je vais le prendre par minuscule. Prends par lui. Ouais, le petit. Oh, il a des trop petites, oui. J'arrive pas à le choper. Non mais prends-le avec les yeux quand même. Non, je peux pas, il a des trop petites, oui. Bon bah voilà. Allez. Bon bah voilà les gars, donc je pense qu'on va refaire le fish par là-bas. Petit brochet de 25. À peine ouais. Bon, on se retrouve quand il y a du fish. Bon les gars, poisson de Nathan. Okay. Perche de, je pense, un bon 17 je pense. Bon, à peine. Donc au Rock Vibe, coloris assez naturel avec des petites paillettes rouges en TP 5 grammes je crois. Donc j'ai été rapide, j'ai mis dans l'épicette pour pas la décrocher, donc on va la relâcher, hop. Désolé pour le soleil. Bon allez, on vous reprend quand il y a du poisson. Là je l'ai pris par lui. Hop, on vous reprend quand on va le relâcher. Ça voilà sert. Les gars, on va relâcher le brochet. Je pense qu'il il fait 60. On va le relâcher. Attendez, je vais le relâcher dans l'épuisette. Ça sera plus simple. Ouais. Une vidéo au lac d'Oron. Dans le lac du Val d'Oron à Bourges. Voilà. Il repart voilà. En dessous du flotu. Il est reparti en dessous. Voilà. Bon bah on vous reprend quand il y a du fish. Poisson de Nathan, donc perche là dans l'épuisette. Hop. Je viens de la décroche. On doit faire plus de 25. Pour la réoxygéner. Au spinner de chez Express. Encore. Et j'ai vraiment cru que c'était un brochet parce que ça tirait vraiment.